Alors, comment est-ce que vous définissez votre travail architectural? Je pense que le plus important, c'est qu'on ne fait pas de différence entre l'architecture et le paysage. On le voit comme un, comme un tout. Et on voit aussi nous-mêmes qu'on fait partie du paysage. Et comme les oiseaux, comme le ver de terre, et qu'on travaille pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas tout pour reconstruire et on compose avec les éléments. Oui, voilà. C'est notre nom, justement, encore. Ça veut dire de quelque chose qui est encore en train de se passer. Donc, c'est une architecture qui travaille avec ce qui était là avant, mais surtout qui fait en sorte que les choses puissent continuer à travailler après nous. Et c'est de laisser les habitants et les gens de réinventer et inventer le lieu après nous. C'est laisser la place, au lieu de beaucoup d'architectes occupent la place. Et en fait, c'est cette idée de plutôt faire une architecture qui laisse la place, à plus de liberté. David, est-ce que c'est du coup des projets qui coûtent plus cher? Bien au contraire. Ce sont des projets qui s'appuient sur des qualités, des potentiels qui sont déjà là. Et on met énormément l'accent sur les possibilités, sur la présence d'air, de lumière, de vivant, etc. Ce sont plutôt des projets qui simplifient les choses, en fait, parce qu'on s'appuie sur ce qui est déjà là, comme le disait Anna. Donc c'est moins de matériaux, notamment ? Moins de matière et plus de s'il y a moins de matière, il y a plus de qualité pour nous. Parce qu'il y a plus d'air, il y a plus de place, quoi. Parce que si on dit que le paysage et aussi l'architecture, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de construire le coucher de soleil, je le dis toujours. On n'a pas besoin de construire le coucher de soleil, ça suffit de l'intégrer dans le bâtiment. Et ça coûte bien moins cher que de le construire. Est-ce que cette pensée, elle commence un peu à irriguer les promoteurs, les bâtisseurs, les autres cabinets d'architectes, ou vous êtes encore des atypiques? Oui, ça commence à vraiment bouger. On sent qu'il y a un vrai écoute. On a encore plus que autant les élus, les politiciens et les promoteurs. On est encore un peu plus qu'on veut bien le dire. Et c'est pas exactement ce qu'on est en train de faire encore. Mais ça commence à faire plus en plus quand même. Et que je pense qu'effectivement la question pour la biodiversité, de faire attention au paysage et de l'intégrer, c'est un besoin et c'est urgent. Parce qu'on est dans un changement climatique et on n'a plus vraiment, on peut plus attendre. On est obligé de faire attention. C'est l'architecture de la décroissance? Oui, on peut dire qu'un bon architecte, c'est un architecte paresseux.